Le mois de mars, consacré à la femme, a connu son épilogue il y a 2 jours. Les femmes, à travers le monde, ont mené des actions liées à la promotion de leurs droits, mais aussi de dénonciation des maux dont elles sont victimes. Promotrice culturelle, Germaine Ololo apprécie le bilan du combat de la femme au Congo. Quand on parle de bilan, ça veut dire qu'à l'avance, il y a eu un programme d'activité établi qui devait être exécuté et pour qu'il y ait une évaluation à la fin. Alors, de façon générale, je prends le cas du Congo, mon pays. Je crois que depuis quelques années, nous assistons à la célébration de la Journée internationale de la femme. Et le plus criard que nous avons toujours remarqué et décrié depuis toujours, c'est le fait que les femmes se livrent à la consommation d'alcool, à s'enrouler de pagne. Et je crois que ce n'est pas ça l'essentiel. En dépit des avancées soulignées, les femmes congolaises ont plutôt beaucoup été utilisées cette année à des fins électorales que dans des actions dédiées à leur lutte pour le respect de leurs droits. Quelques femmes ont cependant mené des actions de sensibilisation dans les entreprises, mais aussi dans le domaine culturel, quoique confiné, à travers la musique. Il y a eu quelques activités que les femmes ont menées, notamment dans le domaine de la musique. On a vu, on ne peut pas passer pieds joints, le clip par exemple des dames qui a été produit par l'Union européenne et l'Institut français, ce collectif de femmes. Alors, je félicite l'initiative. Ils ont mis ensemble 18 femmes, ce n'est pas négligeable. Alors, qu'est-ce qui se dessine à travers ce clip? Des femmes qui viennent se plaindre qu'elles ont été violentées, qu'elles ont subi des atrocités. Mais en même temps, ce sont les mêmes femmes qui viennent exhiber leur poitrine. Bon, alors à ce moment-là, on se demande quelle est la promotion que nous faisons de la femme, quelle est la sensibilisation que nous faisons à travers cet élément. Je voudrais dire aux femmes qu'en tant qu'artistes, en tant qu'acteurs culturels, on vient pour défendre le secteur de la culture. Nous venons pour faire la promotion de nos valeurs culturelles. Et sur la scène, ce que nous avons à démontrer à notre population, c'est le talent. Mais que ça soit dans la décence. Face à ce tableau peu reluisant, beaucoup reste à faire pour que la femme congolaise gagne totalement le respect de ses droits fondamentaux. Il y a une certaine avancée, mais qui se dilue dans les bêtises, vous voyez ? Aujourd'hui, pour moi, la fierté que je peux avoir aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui ont pris le relais. Le combat-là, nous l'avons mené depuis des trentaines d'années et ce n'était pas facile au début parce qu'on n'est pas compris de notre entourage. Vous allez seul, personne ne vous soutient. Et Dieu merci, je n'ai pas faibli. Je me suis maintenue à vouloir continuer avec ce combat. Et aujourd'hui, je suis contente de voir que ces femmes-là à qui nous avons donné des formations, ces femmes que nous avons sensibilisées, commencent à prendre du relais aujourd'hui. Mais beaucoup reste encore à faire dans le sens où il faut sensibiliser la femme sur ses droits, interpeller la femme à des responsabilités. La femme congolaise qui a tous les atouts pour réussir devrait ainsi continuer à mener sa lutte au-delà du 8 mars pour prétendre à une liberté totale et une égalité des chances effective.